Bonjour à tous, c'est Matt Vanaf. Et donc aujourd'hui, dans Gold Rush, donc c'est le dernier épisode, hein, parce que en fait j'en ai un peu marre du jeu. Bon, faire tout le temps la même chose entre creuser et puis aller vider de temps en temps, vendre notre tort, vendre l'or, et puis bah, ça commence un peu à m'énerver, quoi. Donc du coup, je vais tout simplement mettre soit le mettre en pause la partie, donc ça veut dire ne plus faire dessus depuis pendant quelques temps. Bien sûr, comme il fait tellement froid, ben l'eau elle est gelée. Du coup, vous pouvez même creuser ou avec une pelle et ben ça marchera pas. Alors moi, ce que je vais faire, donc aujourd'hui, donc on va s'occuper déjà pour commencer. Donc les tapis sont à 95 ou 96 ou bref 94, donc c'est déjà bien. Par contre, ouais, je suis trop bas là. Hop. Bon, ouais, le loup-garou, ça va 2 minutes. Hop. On va vider ça. Normalement, il n'y en a plus dans le premier. Pareil dans le deuxième. Dans le deuxième, dans le dernier ici, tac. Ouais, mais il y a celui-là aussi. Il restera le deuxième là-bas. Hop, donc celui-ci, c'est pareil. Et après, je vais aller mettre le seau, je vais le récupérer, puis je vais aller le mettre dans le camion. Hop. Hop là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, il va se mettre là. Alors en fait, quand la musique revient, le son du loup-garou s'en va. Ou pas. Bref. Alors ce qu'on va faire, à la limite, je vais commencer par mettre... les grilles d'orpilleur par terre. Tac, comme ça du coup. Je vais aller mettre ça dans les ici, dans les porte-tapis, dans les gold negators. Hop. Et une fois qu'on aura fait ça, mais là il fait 7 de moins 7, donc du coup on peut rien lancer. Mais par contre maintenant, avec la citerne là, la grosse réserve d'eau, on peut remplir. Ça marche quoi, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai tout à l'heure. Si jamais il y en a besoin, quoi. Pourquoi il va pas se mettre là, lui? Donc là, il reste deux tapis à enlever. Et après, on va pouvoir mettre ben, aussi
ceux des Hawkpan. Et pour finir, on mettra l'autre côté. Le dieu des morpilleurs. Hop. Alors, le Hawkpan. Regarde le jeu, moi, je commence à en avoir un peu marre. Et puis, j'ai pas complètement fini American Truck, mais en plus cette année, il nous prévoit un autre DLC. Alors, le DLC Washington. Là, normalement, j'ai tout enlevé. Ouais, donc, il reste plus que celui-là. On va mettre là. Et puis après, on va pouvoir tout simplement. Elle a fini d'hurler l'autre là. Comment ça m'énerve? Hop. Et donc le dernier. Ensuite, et ben on fait pareil. Ici, donc c'est-à-dire qu'on enlève les grilles, les orpilleurs. Et après, on va pouvoir enlever les tapis. Oups. Là, ils vont tous de notre manière. Hop. Ok. Peu importe dans quel sens on les met. Mais tout c'est des. Les met dans la machine. Hop. Normalement, il reste deux. Et après, je vais activer la machine en haut, le activer l'eau et puis normalement, j'ai déjà fait le transfert. Ouais. Donc, à la limite, je peux déjà activer les prises des deux, des trois Nuggetors. Hein. Ensuite, bon, l'eau elle est toujours gelée, donc du coup, ici on peut le voir que le symbole n'est pas vert, le symbole de la goutte d'eau là. Et ici je suis à 93, à 930 000. Alors pour remettre de l'eau, bah, c'est pas compliqué, hein. Et on fait remplir. Et normalement, c'est passé à 100 000. Bon, hop, ça c'est fait. Du coup, normalement, les Hawkpan sont à fond. Les Nuggetters sont bons. Ce qu'il reste juste à faire, c'est d'activer. Je vais faire un après l'autre. Dès qu'il y a un qui a fini. On va attendre un petit peu. Allez. Ok, ça c'est fait. Du coup, celui-ci, il n'y a que 27, mais bon. Ok, ensuite, deuxième. On n'a plus qu'à attendre. Hop. Ok.
Il a fini. Je récupère celui-là et je le mets ici. Et donc on va faire le dernier, puis après on ira désactiver le groupe électrogène et puis là l'eau. Et on transvasera l'eau. On la met, on raccordera le câble qui va, le tuyau qui va jusqu'au hangar là où on a notre table de lavage. Hop. Du coup, je récupère celui-là, je le mets dans le pick-up. Je vais peut-être aller avec celui-ci. Bon, c'est pas grave hein, si ça casse là-dedans. Alors, du coup, j'ai quoi à faire? Eh bah, c'est mieux de faire comme ça quand même. Donc, ça, je découpe. Ça, j'enlève. Je vais peut-être faire un truc. C'est que je vais transvaser. Donc celui-là, c'est pour les Nuggetors. À la place, je vais brancher celui-ci sur le raccord ici. Comme ça, j'aurai de l'eau. Dans les trucs là-bas. Par contre, ce que je peux faire, et c'est ce que je vais faire, c'est qu'on va couper ce groupe-là. Comme ça, je vais pouvoir aller au niveau de là-bas. Une dernière fois qu'on fait la recherche d'or aujourd'hui. On va peut-être essayer d'aller vendre, mais bon. Par contre, il faut que j'aille chercher de l'eau. Non, il faut que j'aille mettre de l'eau surtout. Mais je crois que le mieux c'est de faire comme ça. Tac. Et on n'a pas utilisé beaucoup. On a utilisé que même pas. Ouais, donc là il y a 300, on fait 300, on fait 12 mètres. Et donc on fait un total de 25 litres par seconde, par minute même. Normalement le pick-up il est juste là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer celui-ci. Ensuite, je vais récupérer, donc celui-là il est petit, il n'y a rien dedans. Non, 1% de magnétite, super. Celui-là, il n'y a pas beaucoup dedans non plus, donc on va pouvoir le mettre là-dedans. Je vais monter jusqu'à 80% de. Donc, je vais peut-être vider ce qu'il y a dans celui-ci. On va le vider dans la table de lavage. C'est bien, j'ai pas oublié de remettre le bon le seau là où il fallait. Par contre, celui-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je vais quand même le mettre là-dedans. Après, les autres, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de faire une recherche de machin. Si peut-être pour le. Pas pour le seau du juice, je sais pas quoi là, des quatre plaques qu'on soulève en haut. Parce que généralement les plaques d'en haut, c'est de l'or pur. Là, c'est pas de l'or pur dans les machines d'en bas en fait.
Donc du coup, il y a un peu de magnétite dedans. Tac. Donc après, ben, on va récupérer celui-ci. Donc celui-ci, pareil, ça vient d'en bas. Donc normalement, il y aura un peu de magnétite. Par contre, le dernier, je le viderai directement dans la machine à côté. Bah, je vais vous montrer comme quoi ça sert à rien. Celui-là, ça vient des sauts, de la partie de la machine qu'on vide à la pelle, à la petite pelle. Normalement, il n'y a pas de magnétite dedans. Normalement, ça va être de l'or, 100% or. Il va le dire. Comme quoi, il y avait zéro magnétite. Voilà. Donc, du coup, c'est de l'or à 100%. On met dedans. Ça, c'est... Mais non, je suis con. Donc maintenant, ce qu'on va faire, et ben, tout simplement, on va désactiver ici. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire. C'est tout con, bah, pas tout con non plus. On va juste aller couper l'eau pour éviter que ça nous gaspille de l'eau pour rien. On fait quand même 25 litres à la minute. Et là, on n'a toujours pas d'eau. Alors après, donc ici. Il y a le seau de magnétite qu'on va pouvoir aller vider comme d'habitude. Déjà pour commencer, on vide dans la remorque à magnétite. Il y a 1%. D'habitude, on avait 2%. Voilà. Bah, ce que je vais commencer. Ouais, mais là ça va pas ça. Bon. Alors moi ce que je vais faire, je vais mettre la remorque à magnétite derrière là. Alors est-ce que ça passe? Ouais, ça va passer. Tuc. Voilà. Oh, oh. Alors, au lieu de faire la route aller-retour machin, donc c'est ici. Non, c'est à la factory. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là. Hop. Donc on va se faire le plaisir de rapporter le magnétite. Ici dans la zone. Alors, la vente de magnétite se fait derrière. C'est-à-dire là-bas. Et l'autre jour, il a neigé, donc du coup, maintenant, bah, il y a de la neige partout. Alors, ce que je vais faire, c'est on fait ça. Normalement, je peux vider. Et là, on se fait 50 000 de magnétite. Maintenant qu'on a fait ça, ça va être direction
La zone de creusage, voilà la zone ici. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Je vais quand même ranger celui-là. Je suis trop près. Mais non. Pourquoi ça glisse là? Le véhicule il glisse quoi, vas-y. Ah, je l'ai. Donc on va ranger comme à notre habitude celui-ci sur le côté. Et donc cet après-midi, on se retrouve dans House Flipper, hein. Comme tous les mardis après-midi. Mais par contre, la semaine prochaine, ça sera du American Truck. On va essayer de refaire un peu de... Bah, avancer notre carrière là-dessus, hein. Hop, je laisse celui-là. Je monte dans le pick-up. Et donc on se dirige vers le forgeron. En fait, une fois qu'on a acheté le fast machin là, et bah après, c'est vachement simple de... faire ça quoi. Bon. Et vas-y. Forgeron de fondre doté, lingot d'or, machin. Ok. Le message qui maintenant est en français, jusqu'alors il était en anglais. Mais maintenant ils ont réussi à tout. En fait, ils ont tout traduit en France. Ils ont fait les traductions françaises. Depuis la dernière mise à jour. Mais c'est pas pour autant que je continuerai de jouer à ce jeu. Hop. Ok, déjà. Eh ben, je vais refaire fondre encore. Du coup, le lingot, ben, je vais le mettre là. Mais après, j'irai le vendre directement. Je vais pas m'embêter. Bon, normalement, là, c'est rapide parce que j'ai la... Je crois que j'avais, je sais plus quand j'avais amélioré donc la vitesse de fonte. Là, il doit rester les pertes modifiées, débloquées. On peut aller voir. Il nous manque le perte d'or. Et pour la perte d'or, il faut 120 000 grammes de magnétite. Ah non, parce que je suis à... Oui, je suis à fond. Mais par contre, ça, pour acheter petit four à fusion, là, il faut 60 000 de magnétite. Allez, on va refaire fondre encore un peu d'or. Hop. On va faire encore un petit... Il reste quoi? Un lingot et puis c'est bon. Après celui-ci. Après celui qu'on est en train de faire là.
On a gagné moins d'or cette fois-ci pour le dernier épisode. Cette mer, à chaque fois c'est la même chose. Donc soit on creuse ou alors on va vendre notre or. Donc je vois pas l'intérêt quoi. On va attendre qu'il nous envoie un message comme quoi c'est grand. Voilà. Merde, c'est pas la bonne touche. Voilà. Le dernier lingot, il sera plus petit. Comme ça, on va aller à la banque. Après, ce qui nous permettra de voir combien on va gagner pour aujourd'hui. Mais comme on n'est pas loin de la ville, j'irai directement à la banque. Ou alors, ce que je fais, c'est que soit je vais à la banque, soit je... Et là, comme on n'a rien à vendre, pourquoi? Ouais. Du coup, voilà. Donc ça, c'est notre dernier lingot. Tac, on referme la porte. Et moi, alors, je pense que je vais aller directement ici. Ça ira plus vite, ma foi. Tant que ça charge, voilà. On ira plus vite à la cabane, bah du moins à la tente pour faire ça. Ouch. Merde. Alors, du coup, normalement ça fonctionne de nouveau. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de crash de jeu quand on fait vendre à la banque. Donc, du coup, pour vendre, c'est vente de lingots. Voilà. C'est bon, annuler, éteindre. Donc en tout, on s'est fait un petit peu d'argent. Mais je vais arrêter là et la semaine prochaine, ça sera du American Truck. Donc je vais laisser la partie telle qu'elle est. Et on verra si je la reprendrai un de ces jours ou quand j'aurai envie. Ou... Mais je pense que je vais rester sur American Truck pendant un moment parce qu'il faut que je sais que l'Oregon, alors je crois que je l'avais pas fait en vidéo, on avait déjà arrêté, j'avais déjà mis en pause la carrière sur American Truck quand l'Oregon était arrivé, le DLC. Du coup, je crois qu'on n'a jamais conduit avec le DLC Oregon. Et en plus de ça, cette année, il y a le DLC Washington qui sort aussi. Quand, je ne sais pas, mais il est en prévision. Donc du coup, ben voilà. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve cet après-midi dans House Flipper. Donc à tout à l'heure, en début d'après-midi. Allez, à tout à l'heure.